Merci. Salut, c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life. Tout d'abord, merci énormément, puisque vous êtes maintenant 500 à me suivre sur YouTube. Donc, comme c'est mon vecteur principal, hein, la vidéo, et notamment par YouTube, donc c'est cool, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Je vais continuer, hein, du coup. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. J'ai de plus en plus de commentaires, que ce soit en public, en privé. Donc vraiment, vraiment, c'est cool. Et merci beaucoup. Merci à toi. Merci aussi pour une autre chose. J'avais fait un sondage où je posais trois petites questions par rapport à la guitare, par rapport à la musique, on va dire en général, puis par rapport à la guitare en particulier. Vous avez été là aussi nombreux à répondre. Donc vraiment merci beaucoup, parce que ça va orienter vraiment mon boulot avec Music Your Life et par rapport aux formations futures que je vais pouvoir proposer. Donc là, comme tu le sais, j'ai pas pu faire la formation sur la guitare flamenca, je vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Là, pour le coup, c'est un mal pour un bien, puisque j'ai quand même pu avancer en fait pas mal, et je vais pouvoir proposer un travail vachement plus fourni. Concernant aussi donc le morceau Confined, que j'avais fait un petit jeu concours en fait, où j'ai fait un petit morceau vite fait, juste basse, batterie, guitare. Enfin, petit morceau, je me suis un peu enflammé quand même, mais honnêtement, c'est sorti comme c'est sorti. C'est vrai que souvent, quand il y a des jeux concours comme ça sur des morceaux, de ce que j'ai vu, les mecs utilisent plutôt des grilles faciles, des morceaux plutôt lounge. C'est vrai que c'est peut-être plus facile pour s'exprimer. Moi, j'ai fait un truc un peu plus élaboré. Je savais pas, honnêtement, si j'allais le proposer ou pas. Et puis, en parlant avec quelques potes, ils m'ont dit, vas-y, fais-le, balance, on verra bien. Et puis voilà, c'est ce que j'ai fait, je balance, on verra bien. Je commence à avoir des réponses en privé, donc ça veut dire qu'il va y avoir des propositions, donc le concours n'est pas fermé. Si tu veux faire des propositions, c'est possible aussi. Le morceau Confined, tu le trouveras dans la description de cette vidéo. Donc ça, c'est cool, ça me fait plaisir. T'es pas du tout tenu de faire la version que j'ai fait, moi je me suis un peu enflammé, mais si tu écoutes juste la séquence, ou tu peux même la refaire, ou tu peux même pas obligé de jouer de la guitare, ou tu peux mettre du chant, de ce que tu veux. Et c'était ça l'idée, c'était pas de juste écouter les parties guitare et de se dire ouais, il va vite, il fait des trucs un peu, il y a quelques cascades. On s'en fout, tu peux jouer trois notes et trois notes qui déglinguent et on ne l'avait peut-être pas entendu comme ça et ta proposition elle peut être tout à fait géniale. C'est ça l'idée. L'idée c'est pas de jouer comme ce que j'ai fait, on s'en fout. Mais c'est vraiment de voir si toi ça peut t'amener ailleurs. Je suis même convaincu qu'on pourrait juste plaquer quelques accords, changer l'harmonie, bref. Et c'est aussi ça, et c'est aussi en ça que la musique elle est... Elle est magique, quoi. Je veux dire, voilà, c'était vraiment ça l'idée. Enfin, c'est vraiment ça l'idée, puisque c'est toujours ouvert. J'attends vraiment de recevoir des trucs. Et comme j'ai dit, la finalité, c'est que je diffuserai ce morceau avec ton accord sur tout le blog Music Your Life, où tu seras crédité, parce que ça me fait plaisir qu'il y ait aussi du partage, quoi. C'est pas... Ouais, c'est ma chaîne, mais j'ai pas envie que je sois le seul à proposer des trucs. Donc, moi, je suis toujours OK pour les idées, et il n'y a pas de problème. Et même au-delà de ça, c'est avec vraiment un grand plaisir. Alors en cette période de confinement, c'est toujours pas évident de trouver du rythme. Alors déjà, l'enfermement, là, moi, il commence un peu à me taper sur le système. Bon, j'ai un environnement un peu particulier, je serais peut-être amené à t'en parler un jour. J'aimerais bien le faire, pour le moment, c'est pas le moment. Je suis pas toujours d'attaque pour bosser parce que quand je vois ce qui se passe, notamment par rapport à la crise actuelle, alors je sais que c'est pas du tout le propos sur cette chaîne, mais ça m'affecte quand même, ça nous affecte, ça touche tout le monde. Parce que tu le veuilles ou non, c'est nos dirigeants qui ont les clés. Et après, suivant ton degré de conscience politique, tu vas piger les choses d'une façon ou d'une autre. Et moi, la façon dont je les comprends, moi, franchement, ça pue. Je vais pas toucher, on va pas faire de musique là. Enfin voilà, l'objet de cette vidéo, c'était surtout de te remercier pour de poursuivre mon travail et que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça vraiment, ça me touche, ça me fait plaisir. Le sondage, ça m'a vraiment touché également. Le petit concours sur le morceau Confined, également, je vois que ça met un peu plus de temps que ce que j'avais prévu, mais vraiment, c'est pas grave, hein, on a tous le temps pour le moment, donc je m'en fiche, je peux me le proposer dans quelques jours, dans une semaine, dans 15 jours. C'est pas grave, c'est cool. Donc voilà les résultats du sondage. Maintenant le sondage est fermé. Voilà, j'ai déjà pu lister plein de petits trucs. J'ai une amie qui travaille aussi dessus. Enfin, qui travaille dedans. J'ai une amie à qui j'ai demandé, qui a un très très bon esprit de synthèse, qui m'avait déjà largement aidé à vraiment corriger le petit précis et faire en sorte que ça sonne vraiment français. Et donc j'ai demandé juste
sa vision pour savoir s'il y avait une façon de relier des points, comme c'était pas un QCM, je peux pas avoir de camembert avec des graphiques, etc. Donc c'est un peu plus délicat. Mais rien que dans la partie obstacle, vous me donnez déjà énormément d'idées sur ce que je vais pouvoir vous proposer. L'idée de ce sondage, c'était ça justement, c'est de vous proposer des choses qui vont vous servir à vous. Il faut me le dire, c'est pas moi toujours qui vais amener les idées. Bon, de par mon passé de prof et par rapport à tout ce que vous me racontez en privé ou même en public, je vois déjà un peu ce dont vous avez besoin. Mais là, c'est encore plus clair et ça va surtout être beaucoup plus efficace. Alors ça va concerner les formations à venir. Comme je te disais tout à l'heure, je suis déjà largement en train de travailler sur la formation sur la guitare flamenca. Il me manque que les plans d'incrustation vidéo que je tiens à tourner à Séville. Du reste, j'ai beaucoup d'idées qui sont en train de se mettre en place. Et comme je te disais tout à l'heure par rapport à la conjoncture, voilà, c'est un peu en dents de scie. Il y a des fois je suis à donf et puis il y a des fois je suis un peu KO par la situation. Ah oui, alors juste un petit truc, puisque c'est un bouquin, je me suis rendu compte, j'en parle beaucoup dans le petit précis de guitare à déguster, c'est quelque chose, même avant ça, dans le blog, je vois que j'en parlais déjà de temps en temps, c'est vraiment un livre de référence pour moi, mais je vais te le montrer maintenant à l'image. C'est donc ça, la lecture à vue d'Eric Bull. Donc, ça, c'est vraiment la façon pour toi de connaître ton manche de guitare, sans que ce soit une gymnastique de l'esprit, de savoir donc où se situent toutes les notes sur le manche de ta guitare. Et on va utiliser le solfège pour ce faire et la lecture à vue, c'est-à-dire la lecture instantanée par rapport à des petites positions que tu as d'abord traduites sur des tablatures et ensuite juste ces quelques notes mélangées sur une portée avec des valeurs rythmiques simples. Donc ce qui veut dire que tu vas non seulement connaître les notes du manche de ta guitare, mais aussi apprendre le solfège. Et je crois qu'à la guitare, il n'y a que cette façon. Et en tout cas, cette méthode, elle est très efficace. Elle est écrite par un guitariste. Eric Bull, il se trouve que je le connais, que je l'ai rencontré une fois dans un magasin de musique. Et il m'a proposé du boulot. Il y a plein... Ça aussi, on m'en parle. Pourtant, ce sont des vidéos qui ont une dizaine d'années pour certaines. Ça aussi, on m'en parle des fois. Je lui faisais des analyses. En fait, j'allais chez lui et je faisais des analyses de morceaux. Et il me prenait en vidéo. Et comme ça, il y a plein de grands classiques. Tu peux retrouver Little Wing, tu peux retrouver... Il y avait Hysteria, Newborn, Sweet Child O' Mine, Supersonic, Michto La Pompe, The Kids Aren't Alright, The Offspring. Bref, il y avait plein de trucs. C'était sur son site CNP Musique. Et là, je crois que maintenant, c'est relayé sur un autre site qui s'appelle Imineo. Je trouve la lecture à vue quand même pour guitare assez adaptée et plus pratique, par exemple, que de se bouffer le manuel pratique, qui n'a de pratique que le nom. Non, ça c'est vraiment une super étude, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les études de toutes les clés. Voilà, là ça requiert vraiment avec un vrai travail qu'on faisait un peu à l'ancienne, mais très utile. Voilà, je te l'ai déjà dit, prends soin de toi, de tes proches. Évite de regarder trop TF1 ou BFM parce que les nouvelles sont carrément anxiogènes à mort. Et puis, quant à moi, je te dis à très très vite sur Music Your Life. Ciao!